Ok les amis, c'est... je ne sais plus, quel jour sommes-nous? C'est pas Noémie qui va me le dire, je sais plus. On est jeudi je crois. C'est ça, je crois qu'on est jeudi. Ou vendredi peut-être. Oh mon dieu, j'ai perdu le compte des jours. On est jeudi je crois. On est jeudi, touche à rien toi. On est jeudi, attendez, j'ai reçu un message de Babou. Hein? Coucou. Ah oui d'accord. C'est Elena qui m'a envoyé un message avec le téléphone de Babou. Coucou maman, je vais bien. Bientôt dans la voiture et on va bientôt arriver pour manger le goûter. Voilà. En fait, c'est très compliqué. C'est l'heure du goûter passé. Hein. Là, il est, je pense, il est bientôt 17 h. Babou est allé avec les filles cet après-midi à la déchetterie et faire des courses. Et là, il me réclame le goûter. Ils sont en train d'arriver. Et en fait, ils sont partis faire les courses parce qu'on n'a plus de fruits, plus rien. Je vais vous poser là en même temps que je vous parle. Je sais pas si c'est faisable. Donc, parce qu'il faut que je m'active en même temps. Donc, ils sont partis faire les courses. Faites pas attention à mon look aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que j'aurais pas dû me lever en fait ce matin. J'aurais pas dû me lever. Je suis... j'ai pas très bien dormi. Noémie a été très relou cette nuit, n'est-ce pas mademoiselle? Noémie s'est levée dans la nuit, voilà, donc il a fallu que j'aille la chercher et du coup j'ai pas trop dormi et bref, donc tout ça pour vous dire que je dois faire le goûter en express, sauf que c'est très compliqué pour moi de faire le goûter étant donné que Babou est allé faire les courses parce qu'il n'y a plus rien à manger pour le goûter. Donc là je vais juste faire toutes les poires qui restent. Noémie, je vais faire toutes les poires qui restent, elles sont bien trop mûres, il n'y a plus aucun fruit. Donc Babou est quelqu'un, comme ses enfants d'ailleurs, hein, qui, quand il a faim, il devient insupportable. Donc, ça veut dire que quand il m'envoie un message, en plus il me l'a envoyé deux fois, une fois c'était lui, une fois c'était sa fille, pour dire on a faim, on arrive, ça veut dire qu'il faut que le goûter il soit prêt, parce que sinon on va devenir malade, on va devenir fou, on va péter un plomb, on va s'énerver, on va être très relou. Donc du coup je me dépêche de faire ça, alors que en fait bah, j'attendais juste qu'ils arrivent, parce que c'est eux qui arrivent avec le goûter. Donc, on mangera un reste de gâteau et puis bah là j'essaye de faire les petites poires qui restent comme je peux, elles sont hyper molles, c'est insupportable à gérer quoi. Et puis sinon moi cet après-midi donc j'étais seule avec Noémie. Noémie a très peu dormi, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai pas trop réfléchi, hein. Je suis allée la chercher et elle a dormi sur mes genoux pendant que moi j'étais en train de m'inscrire sur... voilà, je commence à mettre mes annonces en tant qu'assistante maternelle. Voilà, et je vais bientôt commencer mon activité. Et puis j'étais aussi en train de finaliser mon projet d'accueil avec ma maman. Je lui ai envoyé mon projet d'accueil parce que j'avais envie d'avoir un avis extérieur. Donc elle l'a lu, on a vu ensemble les petits trucs à corriger, voilà. Mais c'est surtout des erreurs... de syntaxe, voilà, parce que j'ai une fâcheuse tendance à faire des phrases trop longues, donc on a vu ensemble à quels endroits je pouvais couper, mettre des points par exemple pour faire deux phrases au lieu d'une, des choses dans ce genre. Donc maintenant il va falloir que je le corrige sur papier parce que là que je le corrige sur mon dossier final, parce que là elle m'a dit tout par téléphone mais j'ai pas pu corriger en même temps parce que j'avais Noémie sur les genoux parce qu'elle a dormi sur moi. Donc Noémie, tu fais quoi là? Ouais, Noémie est en train de faire un petit peu n'importe quoi. Et en plus là je vous ai mis en route. Et vous me regardez faire le goûter. Mais sauf que vu que j'ai les mains sales, je peux pas couper. Parce que si je coupe, le problème c'est que je vais perdre du temps. Et si je perds du temps et que Babou il arrive et que le goûter n'est pas frais, il va être insupportable. Voilà. Donc, je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Hein. Mais je suis habituée. C'est comme ça. Elena elle est pareille. Olivia ça va. Noémie, on le ressent pas encore, mais Elena, c'est pareil. Quand elle a faim, elle est infecte. Infecte, comme son papa. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Les chiens ne font pas des chats, ou les chats ne font pas des chiens. Je ne sais pas dans quel sens on le dit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il devrait y avoir un sens. Bref, j'arrête de vous parler, même si vous me voyez. C'est bon, à vous, tu peux couper. Voilà, le reste n'est pas nécessaire, c'est juste que je peux pas couper tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de manger ou je rêve là? Noémie, attends. Déjà qu'il n'y a pas grand chose pour le goûter, si en plus tu le vends tout. Oui, on fera ça après, ouais. Quoi? Ok les amis. Ok, c'est vendredi. Attends, je te fais de l'ombre. C'est vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi. Nous on a sorti les lunettes de soleil. Nous sommes en, j'allais dire en été, non, nous sommes au printemps. Nous sommes le 31 décembre 2021, dernier jour de l'année d'ailleurs. Oui, dernier jour de l'année. Nous terminons l'année en beauté puisque nous sommes à la plage. Voilà. Est-ce que ça s'entend ou pas? Ouais, ça s'entend, Babou, ça s'entend, ça va, arrête de te la péter. Mmh. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous ressentez la chaleur? L'air marin. Il n'y a pas trop d'odeur, je trouve, de mer là ici. Si, un petit peu, mais c'est pas, ça sent pas la marée, quoi, tu sais. Bah, je trouve qu'en Bretagne, il y avait plus une odeur de mer, tu vois. Ouais, c'est vrai, que là. Ouais, que là, on est en Vendée, là. Ce matin, on s'est levé et puis... on s'est dit, allez. Non. Non, non, raconte ce qui s'est passé. Non, en fait, il faisait beau ce matin et Babou, il me dit, il vient me voir et me dit, on va se préparer, tout ça, et on va aller là. Et il m'a montré la météo sur son téléphone, il m'a dit, on va là. Voilà, voilà. Je voulais, en fait, de base, je voulais qu'on fasse un pique-nique. Et je me suis dit, on va pique-niquer où? Dans le jardin? Dans une aire de jeu? J'ai dit non, allons à la mer. Bon, il y a quand même un peu de route, hein. Oui. Mais, voilà, on y est, on va y rester 2 heures. Et franchement c'est cool. Ouais, c'est bien appréciable. Le sable, les pierres, regarde-moi ça, tu joues dans le sable. Ouais, je joue dans le sable, oui, effectivement. Magnifique. Donc ouais, elle a fait tout ça le temps de l'introduction, tu vois. Voilà. Belle, 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 belle. Et toi, Elena, tu fais quoi? T'arroses? T'arroses de sable? Hein? Ok. Pas de réponse. J'adore ce petit bruit là. Hein? Alors le sable est froid. Qu'est-ce que tu fais, Elena? Le sable est frais, mais franchement c'est agréable. Et ouais, ce matin, c'est vraiment sur un coup de tête, hein, j'ai dit, je me suis dit allez on va à la plage. Et Bibou elle me fait oh, mais non pas à la plage et tout, il faut rouler tout ça. Je dis ah c'est bon, on y va, on y va. Et du coup je me suis dit on va aller en Vendée. Parce que la Bretagne on connaît un petit peu, on est déjà allé. Nous on habite dans le Maine-et-Loire, tu vois, donc la Maine-et-Loire c'est proche de Nantes, du coup de la Bretagne et de la Vendée quoi. Et on est déjà allé nous vers Saint-Nazaire, Guérande, etc. C'est la Bretagne du Sud, là, le Morbihan, je crois. Et du coup, là, j'ai dit non, allez, viens, allons jusqu'en Vendée. Donc, Sable d'Olonne, La Roche-sur-Yon, tout ça. Puis j'ai tapé au hasard plage de Vendée. Et bon, il y a ça qui est sorti. Il y en a plein d'autres, hein, des plages en Vendée. N'hésitez pas, si vous êtes vendéen, à nous dire où aller. Et n'hésitez pas aussi, si vous êtes breton, à nous dire où aller. En Bretagne du Sud quoi, nous envoyez pas à Saint-Malo, tout ça c'est beaucoup trop loin pour nous. Mais voilà, tout ce qui est Bretagne Sud, là, Morbihan et tout ça. Et puis la Vendée, la côte vendéenne aussi. Dites-nous où aller, nous ce qu'on recherche en fait. Là on est venu ici vraiment au hasard. Mais pour le printemps-été, on aimerait trouver des petites stations balnéaires de Vendée ou de Bretagne qui soient familiales. Qui soit pas tourisme de masse, on n'a pas besoin de grands campings, on n'a pas besoin de grandes fêtes foraines, tout ça on s'en fiche. On veut un truc tranquille, où on puisse aller avec les enfants, où les parkings seraient gratuits, où on peut s'amuser toute la journée, où il y a quand même un minimum de trucs, genre des toilettes par exemple, et un petit marchand de glace, tu vois. Mais voilà, des petites plages tranquilles, simples, on se prend pas la tête. Dites-nous ça, hein, amis vendéens et amis bretons. À vos commentaires. Vous faites un château? Non, je fais un bonhomme. Tu fais un bonhomme là? Ah mais là t'es dans l'ombre, attends, je vois pas le bonhomme. Où qu'il est ton bonhomme? C'est un bonhomme ça? Là ça c'est ses jambes, mais Noémie elle m'a cassé, je sais pas ce qu'elle a fait là sur les tétés mais... Ah ouais, ouais effectivement. C'est un bonhomme, ouais faut le... Ouais pourquoi pas. Pourquoi pas ouais. Yeah, ça surfe ici. Ah, ça surfe. Ça tente de surfer parce qu'il n'y a pas trop de vagues là. Il y en avait plus tout à l'heure, mais il y a quand même du monde dans l'eau. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont au moins 15 surfeurs dans l'eau. Je pensais pas en fait que ça surfait en Vendée quoi. On est rentré de notre périple à la mer, à la plage. À la mer ou à la plage? Avant, j'aurais dit à la plage, moi. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en France métropolitaine, les gens ils disent pas trop à la plage. À La Réunion, on dit on va à la plage. Mais ici, en métropole, les gens disent on va à la mer. Parce que bah, c'est la sortie à la mer. Voilà. C'est vrai qu'à La Réunion, tu dis pas je vais à la mer parce que la mer est partout. Tu dis je vais à la plage. Voilà, la mer, tu la vois assez facilement, si je peux dire. Donc voilà, on est parti à la plage, à la mer, et c'était une bonne journée. Et là, cap là, mes filles Elena et Olivia sont ici. Et là, il est 18h30, on va sur un petit repas du réveillon. Voilà, on va commencer à sortir des petits trucs. Hop, et la tour est tombée. Des petits trucs pour ce soir, quoi. Les filles, qui veut de la bûche? Vous êtes sûrs? Sûr? Ok. Qu'est-ce que tu fais, Elena? Oh là là, catastrophe sur la table, Bibou, sérieux? Oh là là, franchement. Petite bûche caramel, vanille, voilà. Là, il est 20h30, ouais, les filles ne vont pas au lit. Les filles ont mangé, on a déjà mangé, on a déjà pris le dîner, on vient de sortir du bain et là, on va prendre la bûche. On a mangé ensemble, voilà, petit apéro... Apéro dînatoire, très simple et très bon, et puis... Le bain. Le bain, et puis là on prend la bûche ensemble. Voilà, on fait une organisation spéciale. On avait fait ça pour Noël aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On avait fait pour couper le repas quoi. Oui, pour digérer un peu avant le dessert. Et ensuite évidemment, les filles ne traîneront pas jusqu'à minuit, hein, elles vont aller au lit dans pas longtemps. Voilà, on va se dire bonne année et au dodo. C'est ça qui est prévu, enfin je crois. C'est ça qui est prévu. C'est ça qui est prévu, madame? C'est ça qui est prévu. La gestionnaire du planning est ici. C'est ça? Oui et non, hein. C'est toi qui a organisé notre journée, notre soirée. J'ai pas organisé la journée, c'est sur un coup de tête. Hein. Oui, non mais je veux dire, moi j'ai rien organisé. J'ai regardé la météo, j'ai tapé plage, Vendée, il y avait écrit soleil. Je vais le mettre au... Soleil, 13 degrés. Pas de vent, j'ai dit on y va, direction la Vendée, le 85, c'est parti. J'ai pris la décision en 30 secondes, hein. Voilà. Et j'ai accepté en 2 secondes. On a pris des trucs dans le frigo, on est parti acheter du pain, des sandwichs, bim bam boum. Des fois c'est bien les sorties comme ça, où tu prévois pas trop. Et pour accompagner la bûche, on va se faire des petits lecchi avec un E et pas avec un I les amis, hein, vous savez évidemment. Lecchi de Madagascar que mon grand-père m'a envoyé. De Madagascar, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, c'est parce que j'ai acheté des litchis de Madagascar il y a 3 jours. Et donc ça, évidemment, c'est des litchis de La Réunion. Il a envoyé aussi un petit ananas Victoria de La Réunion. Et des petites bananes mignonnes, comme ça, qu'on appelle aussi Francinette, je crois. Que ça se vend comme ça en métropole, banane Francinette ou Frécinette, je sais plus. Donc voilà, les petits litchis. Il a envoyé ça en chrono fraîche, Colissimo, Colipéi. Et ça fait plaisir. Oui, j'ai un papy aussi à La Réunion, pour ceux qui ne savaient pas. Bien évidemment, vous vous doutez que quand on les achète à La Réunion, ils ne sont pas marrons comme ça. Ils sont tout rouges. Là, c'est parce qu'ils ont vécu. Hein. Ils ont fait le transport. Ça fait un moment qu'ils ont été cueillis et tout ça. Hein. Mais sinon, quand on les achète sur le marché, ils sont tout rouges. Ils sont souples. Là, ils commencent à être secs. Mais bon, le goût n'en reste pas moins délicieux. Voilà. On ne va pas faire les difficiles. Hein. Non, on prend. Quand les choses de La Réunion nous sont envoyées... C'est un petit bonheur. Voilà. On est content. Il est très content. Maman, c'est bon, le petit avec de la glace. Et pour ceux qui nous découvrent que cette année ou qui n'ont pas capté cette information, sachez qu'à La Réunion, l'île de La Réunion, dans le 974, enfin le 974 dans l'océan Indien, à côté de Maurice, entre Maurice et Madagascar, c'est là-bas qu'on est situé, les litchis, c'est un fruit de saison là-bas. Là, au mois de décembre, vous avez litchi et mangue, c'est vraiment les deux gros fruits. Et donc c'est vrai que on est habitués, nous... C'est pas gros les litchis. Non, mais c'est les deux gros fruits de saison. Il y a toujours des litchis à table à La Réunion. Je pense qu'il n'y a aucune famille de La Réunion qui n'a pas des litchis... sur les tables des fêtes de fin d'année. Sur les tables des fêtes, voilà. C'est vraiment le fruit qui est très, très beau, très coloré, il est tout rouge. Il se vend en grappe, donc avec les branches comme ça, donc, avec les feuilles, donc tu peux faire quand même, c'est vrai, des tables très belles, rien qu'avec des litchis et des mangues. Donc voilà, c'est un grandi avec ça, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des bons petits litchis comme ça en fin décembre. Et il y a aussi ensuite, c'est quoi, 15 jours après, un mois après, les Longani. Les Longani qui arrivent, ouais, qui arrivent courant janvier. C'est pas du tout le même fruit. C'est encore meilleur les Longani. Bibou elle adore. Et ils vont arriver en métropole. Je pense que vous pourrez commencer à en acheter à grands frais d'ici peu. Et grands frais vend des Longani qui viennent de Thaïlande généralement. Thaïlande, Vietnam ou Chine je crois. Et qui sont très bons. Qui sont pas donnés. Hein, c'est aux alentours de 12 € le kilo. Mais franchement c'est très très bon. C'est le fruit, un des fruits préférés de Bibou. Le Longani. Non, c'est mon fruit préféré. Son fruit. Numéro 1. Number 1. Ouais. The best of the best. Et moi, le fruit le plus préféré que j'aime, le premier, c'est la mangue José. La mangue José, t'adores. T'as goûté ça, hein? La mangue José, c'est le Longani deuxième. Et puis en troisième, c'est le litchi. Et litchi. Et donc, tes parents ils t'apprennent des bonnes choses, toi. Moi, je te le dis, hein, ça c'est bien, ma fille, ça. Prête? Allez, ensuite, moi je vais mettre comme ça Noémie l'a fait aussi. Ah, comme la fusée en fait. Moi, voilà, d'accord. C'est comme ça, et puis après on saute et on joue dans la liste, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok les amis, c'est la nuit. Oui, ça y est, les filles sont... C'est un jeu. Ils sont couchés. Ils sont au lit. Ouais, et nous... Continuez de discuter. Mais... Et nous, on va au spa. On va au spa, on va inaugurer... Notre table de massage. On la voit pas là. Elle est où? Elle est là. Ah si, c'est ça. Je crois que c'était le sol. Dans le retour, on dirait que c'est le parking. La table de massage. On n'a pas de parking en plus. On s'allume le petit poêle. Et voilà, on va se faire notre petite soirée, on va inaugurer cette table. Et j'espère qu'elle sera... J'allais dire agréable, non. Mais c'est pas elle, hein, c'est nous. Non, mais j'espère qu'elle sera confortable, c'est ça que je cherchais. Oui, oui. Et pratique aussi. Oui, pratique. Voilà, parce qu'elle a l'air belle, elle a l'air ok, ouais. Mais ça se trouve, elle n'est pas du tout confort. On va voir ça. Qui c'est qui commence, Hugo? C'est moi qui commence. Grande question. Enfin, c'est moi qui commence à offrir. C'est toi qui donne? C'est moi qui donne la première. D'accord, donc c'est moi le deuxième ensuite. Et oui, voilà. D'accord, toi tu préfères finir, oui. C'est ça? Finir par recevoir. Voilà. Le choix est difficile, j'ai pas eu mon mot à dire là-dedans, sachez-le. Non mais la prochaine fois on fera le sens inverse, on l'avait déjà dit. Non, parce que j'arrive pas à choisir, est-ce que c'est mieux de donner ou recevoir avant, je sais pas. Le mieux, c'est de se payer une masseuse double qui vient de nous masser en même temps. Mais bon, à un moment donné, on vit pas à Dubaï. Hein. Ça, on n'a pas fait les Marseillais versus le reste du monde. Et on n'est pas youtubeur à succès, tu vois. Non plus. Donc on se calme sur les dépenses. Voilà, c'est ça. Donc on va dépenser de l'énergie. On va faire voilà. Avec de l'huile de coude. Exactement. Bon, en tout cas, les amis, gros bisous. Merci de nous avoir regardés. Bah, et bonne année à vous. Bonne année. Voilà. Bonne santé, plein d'autres choses. Ce vlog va sortir, du coup, bah oui, on sera déjà en 2022. Il sortira mardi. Ou mercredi, je ne sais pas. Ouais. On a ressorti les petits peignoirs, tu vois, les petits peignoirs. Comme les petits peignoirs, bon, ils sont pas blancs comme les peignoirs de spa, hein, mais c'est pas grave. On n'est pas à l'hôtel, on est à la maison, on a sorti les peignoirs noirs. Le peignoir noir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, encore une très belle année à vous, et puis nous on vous embrasse et on continuera à vous accompagner. Pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année, voilà. Même si vous ne nous supportez pas, on sera là. Bah non, si vous ne nous supportez pas, quittez-nous. Non, mais on sera là pour vous accompagner. Non, ceux qui n'ont pas envie, on sera là. Et en live, et voilà, et la rentrée des lives bien évidemment. Comme d'habitude, on reprendra nos 4 lives à partir du coup du mardi 4. C'est ça la rentrée? Lundi 3, mardi 4? Quelque chose comme ça. Oui. Un truc comme ça. Oui. Voilà. Le calendrier sera mis à jour. Gros bisous les amis. Et ciao ciao. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Bah en fait on va compter de 10 jusqu'à 0. Tu sais comment on fait? Ok. Ça on va compter ensemble, lentement. Et à 0 on va dire bonne année. Et après on va se faire des bisous et des câlins. De 10 jusqu'à 0. Tu fais un bisou, il faut que chacun fasse un bisou à tout le monde. Toi tu fais un bisou à papa, à Noémie,